simple. On est mercredi aujourd'hui. Ton prochain combat c'est le 15 mars. Apparemment c'est la revanche. Toi tu as demandé sa revanche. Ouais, c'est ça. C'est ça. Pas pour quelle raison, parce que t'as gagné le match aller en fait. Ouais, et puis il a fait ça. Je voulais prendre sa revanche. Donc t'as des impressions par rapport à la victoire. Au début c'était mal parti, mais après c'est pas passé comme ça. Ok, là pour la revanche, tu sors comment? Là je me suis bien entraîné, donc ça devrait faire. Ça devrait faire. Pas trop d'appréhension. Non, ça va. On va y aller alors. Ouais, on va y aller. Il y a quelqu'un qui s'est rapproché de toi pour te sponsoriser. C'est pas mal ça. C'est pas mal. Carrément une chance. Une chance parce que le petit Farang qui arrive comme ça au milieu de la Thaïlande, il n'est pas connu, il fait un combat. Bon, il gagne son premier combat. Un sponsor se présente à lui, lui propose de l'aider un petit peu. Donc c'est quand même assez sympa. D'ailleurs, on va l'appeler parce que je crois qu'il est là. D'accord, je suis à l'aise, c'est KSP. Donc, d'abord, première question, pourquoi tu as voulu sponsoriser ça? Qu'est-ce qui se fait dans la envie de sponsoriser? Bah, de voir un jeune espoir français en Thaïlande dans le milieu de la boxe thaï. J'ai deux jeunes enfants qui pratiquent également, qui s'entraînent, qui sont encore trop jeunes pour combattre. J'ai trouvé que le challenge était intéressant, relevé, et que ça méritait qu'on porte un petit regard sur lui. Ok, bah c'est plutôt bon à voir, on va pas s'en faire. Hein. Voilà. Bon, KSP, ok, un éléphant, trois lettres. Voilà, un éléphant. Qu'est-ce que ça veut dire KSP et à quoi consiste ton activité? Ben donc KSP, c'est Koh Samui Pro. Okay. Nous sommes dans le milieu de l'immobilier à Samui. D'accord. Nous réalisons toutes les constructions que les clients nous demandent. Travaux de rénovation, entretien, management et une possibilité également de location long terme, vacances, okay. Voilà, de vente également, bien immobilier, terrain, on couvre le panel immobilier ici à Samui. Ah ben c'est bien, c'est une bonne nouvelle ça pour les gens qui veulent s'installer. Ben oui, c'est pas mal. Ah ben écoute, oui. Ouais, parce qu'il y a quand même plus de Français qui viennent sur Samui. Oui, effectivement, on connaît depuis quelques années maintenant. On se rend compte que le marché est de plus en plus porteur avec les Français. Une forte envie d'expatriation, il semblerait. C'est bizarre quand même. Hein. On se pose la question. Ouais, bon, ça ne fait pas trop. Hein. Ouais. On a une petite idée quand même. Ouais, voilà. Ah, bah, merci beaucoup, Alex. À bientôt. Merci pour votre travail.